Ce mercredi à 20h, l'équipe féminine de basket de Lattes affrontera Challes-les-Eaux pour les demi-finales aller des play-offs. Arrivée deuxième de la Ligue féminine de basket, le BLMA vise le titre de champion de France. Il y a 15 jours, suite à leur défaite à domicile face à Nantes, les filles de Valérie Demory avaient perdu le rythme. Avec leur victoire face à Lyon la semaine dernière, elles ont vite retrouvé le moral. Malgré l'absence de l'ailière américaine Kristen Mann, toujours blessée à la jambe, du coup Valérie Demory a dû revoir ses plans de jeu. On a une étrangère qui est blessée, qu'on ne peut pas remplacer. Donc on va essayer de répartir un peu les rôles différemment. Mais enfin, c'est ce qu'on fait déjà depuis presque un mois maintenant. Bon, on s'en sort pas trop mal. Maintenant, on sait que ça va être un combat. De toute manière, les playoffs, c'est toujours des combats, que ce soit des équipes au complet ou pas au complet. Ça va être un combat sur trois matchs sûrement. Donc ça va être serré. Lors de leur dernier match contre Challes-les-Eaux, classé 3e de la Ligue, le BLMA avait perdu de 7 points. Pour réussir à les battre, les Lattoises se sont orientées vers un jeu plus défensif. On a beaucoup travaillé sur notre défense aussi parce qu'ils ont une des meilleures joueuses du championnat, une américaine qui domine. Donc on a prévu tactiquement ce qu'on allait faire pour essayer de baisser son rendement. Si ça marche, je pense que c'est une grosse partie du match.